Code avec Excel 2010 propose la mise en forme conditionnelle. Prenons une feuille vierge, entrons des valeurs, par exemple de vente, en termes de chiffre d'affaires, sur plusieurs jours d'une semaine. Pour avoir une appréciation visuelle des valeurs, nous pouvons sélectionner la zone, choisir l'onglet Accueil et Mise en forme conditionnelle. Dans cette forme, nous choisissons Base de données avec un dégradé ou en remplissage uni. Et nous regardons, nous observons ce que cela donne sur la feuille Excel même. Choisissons le remplissage uni. Nous voyons que, en écartant la colonne, la mesure graphique exprime tout de suite les tendances jour après jour.